Eh bien bonjour tout le monde, je suis Bluelix. Comme vous l'avez remarqué, nous avons beaucoup d'informations sur Halo Infinite chaque semaine. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des futurs ajouts sur la MCC avec Halo 3 ODST et la saison 3. Pour commencer, 343 Industries nous informe que les flight tests de Halo 3 ODST devraient arriver durant le milieu du mois d'août. Et l'on peut espérer une sortie du jeu en fin de mois. Les tests auront lieu exceptionnellement sur PC et sur Xbox, car le studio a décidé de rajouter le baptême du feu sur console. Pour y participer, il faut rejoindre le programme Halo Insider sur Halo Weapon. Les testeurs auront accès à plusieurs missions de la campagne, dans différentes difficultés et en coop, et bien évidemment au baptême du feu avec 7 maps différentes, cycle jour-nuit inclus. Avec le lancement de Halo 3 ODST qui apportera la campagne et le baptême du feu, il y aura aussi la nouvelle saison qui rajoutera des skins, de nouvelles visières et des plaques nominatives. Tous ces objets cosmétiques seront disponibles via le système de défis comme pour la saison 2. Actuellement, à noter que les cosmétiques de la saison 2 ne disparaîtront pas et resteront disponibles excepté les défis saisonniers qui disparaîtront. Le multijoueur de Halo 3 se verra aussi ajouter de nouvelles armes comme la mitraillette silencieuse et le magnum silencieux. Mais nous pourrons aussi modifier les paramètres du baptême du feu comme pour le baptême du feu de Halo Reach où l'on pouvait modifier les armes de départ, les dégâts, la gravité et bien plus de choses. Halo 3 ODST coûtera 5€ sur PC et Xbox. Les possesseurs du jeu sur Xbox n'auront pas de frais supplémentaires à payer pour accéder au baptême du feu. Pour finir, les développeurs nous donnent également les fonctionnalités qui devraient arriver en 2020, comme le crossplay, la sélection des serveurs, le matchmaking en périphérique d'entrée, la navigation de parties personnalisées, et plus encore. Pour plus d'informations, je vous invite à lire les articles de Halo.fr à ce sujet qui se trouvent dans la description. Alors les ODST, vous êtes prêts à vous replonger dans le baptême du feu, ou vous allez le découvrir comme moi ? Sur ce, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et bien évidemment, vive Halo !